Je me nomme Benoît Lajeunesse, j'ai 11 ans. Je demeure dans la ville de Joliette, province de Québec. Je fais un tas de choses ordinairement, mais mon fort, là, c'est le violon. Mon père Brunel, moi je lui dois pas mal, oui, parce que, tu sais, c'est lui qui m'a parti. Il m'a donné un petit violon, un 16e, c'était après un nom comme ça. Là, ben, en tout cas, je jouais là-dessus, puis m'emmenait pas pire. C'est mon meilleur professeur que j'ai eu avant. Il tient une orchestre. Maintenant, on fait des pratiques tous les dimanches. Quand il part un morceau, là, ça lâche pas, hein. Les pratiques, là, il tient. Tu sais, s'il voit, mettons, là, qu'on est pas assez bon, là, ben, il nous donne des pièces plus faciles. Puis ça, ben, ça nous rembarque, puis ça part. Les fins de semaine ou bien dans mes vacances, quand j'ai le temps, le matin, je pars de bonne heure, là. Je saute sur ma bicyclette, je prends mon pack-sac, puis en away, puis ça décolle. Là, ben, je monte à Saint-Thomas, ce qui donne 6 000 $. Fait que quand j'arrive là, j'ai les jambes à terre. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et là, ben, M. Fafard, il m'attend. Ben, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, Benoît. Vous voulez-tu m'aider? Ouais. Vous m'aidez à travailler? Ouais. Vous êtes seul, aujourd'hui? Monsieur Vafard, c'est un homme prospère parce que quand il y a 75 arpents de tabac puis une vingtaine d'arpents de patates, je pense qu'il fait la pièce. Ah, oh, moi, là, moi, c'est pas après parce que là, il m'entend ma tête. Ouais, ça m'a seulement une partie, là, on va prendre les deux. Comment t'as pris le temps? T'as amené aujourd'hui, Benoît? Prêt, à peu près une heure. À peu près une heure? Une demi-heure. Hey. Il y aura plus vite, je t'en donnerai deux. Ouais. Tu es capable à deux? Ah, oh, ouais. Ouais? Je travaille à dépendre les séchoirs. Mais là, j'empile des lattes sur un chariot. Ça fait 100 000 euros. Puis quand il m'en donne deux à la fois, là, ben, ça va t'y les bras? Ça va te grandir, ça? Ça va pas tout petit? C'est ça. J'ai fait bien mes grosses. J'ai fait bien mes grosses, on va prendre deux, hein. Jérôme, tu regardes faire, là, puis qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire qu'est-ce qu'elle va dire. Benoît! Quand je travaille, des fois, elle arrive avec son petit body, puis quand je l'entends crier, là, je vous dis que le tabac, il prend le bord, puis en wave, là. Ma crainte, puis j'y vais. Je l'aime parce que elle, tu sais, c'est comme un petit gars, tu sais. Elle recule pas devant rien. Tu mettons, tu lui dis, viens, tu pêche, elle va dire, OK. Tu mettons, pour te dire, oh non, moi, il faut que je reste, faut que je vais être mes poules, tu sais, ou bien, il y a des petites filles qui m'attendent, tu sais. Elle est, tu sais, elle est gars, comme on dirait. Puis, je l'aime comme ça. Ouais, un beau cadeau à te donner. Hey! 5 minutes, je suis en train de trouver!
J'aime beaucoup les vieillards parce que quand je vais donner des spectacles chez eux, ils sont toujours très accueillants, très sympathiques avec nous. Puis moi, vieillir, ça me fait pas grand-chose. C'est quand même que je serais un petit vieux avec une barbe qui toucherait la tête et que je m'en fâcherais parce que je trouve que même quand on est vieillard, on reste toujours jeune. J'ai amené ma petite amie Lorraine, puis elle va vous faire une petite jig. Des fois, en famille, quand on n'a rien à faire comme ça, ben là, on prend une bonne game de ballon chasseur. Pierre, c'est mon petit frère. Il a 10 ans, puis il joue dans l'autre équipe. Louise a 15 ans, mais elle se prend pour une fille de 18 ans. Papa, à part de moi puis Pierre, c'est le plus petit de la famille. Puis moi, maman, tu sais, elle sait pas bien ben jouer, fait que c'est pour ça qu'elle sait jamais où s'en aller, fait qu'il faut toujours lui dire, tu sais, mettons, tu t'en vas par là, puis elle est toujours surprise. Hein. Claude, elle a un an de plus que moi. Sylvie, c'est la plus grande de la famille. Elle avait un ongle incarné. Eh ben, c'est la vie. On pratique plusieurs trios. Tu sais, Claude, avant, elle apprenait le violon, mais maintenant, elle a changé pour l'alto. Puis Louise, elle joue du violoncelle, puis moi, je joue du violon. Arrête, là! Tu sais, des fois, on les pratique en folie. Des fois, on les pratique sérieusement. Ouais, aussi quand elle perd au trois quarts du morceau, là je pars et un morceau de jazz, ben, tu sais. Là ben ça commence, les cheveux drettent sur la tête, mon tabouret est doux, bon les plafonds. Là, un peu de sérieux. Ah! Bon, j'arrive.
gagné, j'ai bien parti. Le soir, là, quand ça me tente, je vais jouer des games de poule avec mon père. Là, ça part l'affaire. Puis, je dis que quand on y va, hein, ma maman, là, on est comme deux chums, tu sais, ça va bien, tu sais. Hé, c'est raté. Vu que tu viennes de perdre. Tu trouves ça drôle parce que c'est raté? Ouais, t'es comme moi. Je suis pas bien bon, fait que mon père, tu sais, il me bat tout le temps. Mais, en tout cas, il y a des fois que je donne des bons trucs, puis des fois, il est surpris. J'ai pas les bras trop longs, fait que je prends toujours une petite baguette. Puis, il y a des fois aussi que, tu sais, il faut que je prenne le diable, parce que pour me coucher sur la table pour faire les boules, fait que. Donc, c'est beau. Une presse de 2000 livres est tombée sur la main à mon père pendant qu'il travaillait. Et lorsqu'il a retiré son gant, il s'est aperçu qu'il manquait deux doigts. Mais ça l'empêche pas de jouer une bonne partie de poule. Non! Hé, hey, Benoît! Mais moi, 40 livres! Ah non, moi, je voulais 50 livres. Ah, t'es même pas capable. Il y a le droit de l'essayer pour le fun. Ouais, tu même pas capable. Tu vois, elle s'est posée. Enlève-les, ouais. Tu veux que je le lève? Oh, elle a pas. Tu lèveras après, par exemple. T'as fait. Tu me jures, là? Si je suis capable. C'est ça aussi, t'es capable. Ouais. T'as mon œuf. Pas capable. T'es sûr? Oh, ça force. Oui, hein. T'es. Oh, ça vient, Benoît. Je l'ai. Ça il est asseyé à ça. OK. Ah, ouais. Là, moi, regardez pas. Pour se tenir en forme, moi, mon frère Pierre, là, on fait des poids à terre, puis on aime ça, tu sais. Tu vas tomber. Ben, moi, je suis rentré, tu vas voir. Tu veux la mettre 40 livres? Ouais. Attends, un côté à la fois. Là. On met deux livres et demi encore? Tu sais, on fait des concours. Celui qui lève le plus, ou bien celui qui est le plus fort, tout ça. Puis là, mettons, on se met la même pesanteur. Puis celui qui lève le plus haut, ben c'est le meilleur, tout ça. Ah ouais, là, c'est tout. Ouais, je voudrais. Ben, pas rien. Regarde, attends. C'est pas le truc que je t'ai donné, hein? Oh! Oh, là, tu l'as. Là, fais. Bon, OK, c'est correct, là. OK. Capture-toi pas trop, tu vas faire la... Mon frère Pierre, tu sais, lui, il est bien capricieux, tu sais. Fait que, tu sais, il aime pas ça, mettons, que je dise, mettre 50 livres, là, puis t'essaieras de le lever, tu sais, tout ça. Tu sais, lui, là, 40 livres, là, dans le top, tu sais. Mettons, moi, je veux me pratiquer, là. Mon frère est toujours là à côté de moi. Il était moins une pratique avant, puis tout ça, puis moi, j'aime pas ça, hein. Fait que là, ben, j'ai dit, mettons, oh, ben, OK, là, mettre 40 livres. Puis je garde le 50 livres pareil. Fait que là, ben, il vient pour le lever, puis. Fait que là, tu sais, moi, j'ai le même, je suis le même, tu sais, pour l'agacer, la petite maillette, t'es même pas capable de lever ça. Il a dit, hey, avant, comment ça se fait tout ça, que j'étais capable de lever. Fait que moi, je gardais le même poids, tu sais, je faisais la crainte à rajouter. Là, je disais, même, je disais, hey, moi, m'a essayé de lever 60 livres. Là, je le levais, tu sais, comme ça, naturellement. Lui, ben, il trouvait ça drôle. Est-ce que je te mets 40 livres à la place, ça ferait? Ouais. Ah, mets les deux, le 5 puis les deux petits. Mets-les. On va les mettre, ça sera même pas la partie. Parce qu'on enlève, tu viens l'enlever, hein? C'est ça. Je vais vous montrer, je suis même forte que vous deux. Ouais! C'est sûr qu'il y a grandeur que toi. Un. Il y a pas de... Un. Ah, c'est... On va être chapillé des aides sur la poêle. Guidi, guidi, guidi. Oh, oh, oh. OK, c'est moi. OK, il a bon déchiré. Oh. Oh, la sœur. Oh, monsieur. Bonjour. Le corps et le sang de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Des fois aussi le dimanche, je vais servir la messe pour le Père Brunet. Prenez. Et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il me fait communier, puis il me demande de faire communier les autres. Aussi, avec les burettes, quand je donne l'eau, l'eau puis le vin, si vous aimez mieux, tu sais, il se met après ça de vin, là. Puis il se met ça d'eau. Ça tourne sa mère au vin pour le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Fait que quand il part de là, il s'en va tous les pieds croches. Ben, je dis ça comme exemple. Quand tu sais, trois messes par jour, ça doit être fatigué à la fin de la journée. En tout cas, pour faire Brunel. Tu viens? Tu t'en aller?
J'avais une chatte avant, une chatte blanche, elle s'appelait Mignonne. Puis moi, je l'aimais beaucoup. Hein. Elle avait eu 6 petits chatons. Ben un jour, tu sais, on la trouvait plus nulle part. On s'est mis à la chercher. Puis là, l'après-midi non plus. Puis le soir, ben on la trouvait pas plus. Là, ben ma tante était venue ici, puis là, ben en sortant de la cour, elle avait vu quelque chose d'étendu dans la rue. Donc là, ben elle a dit, il y a quelque chose d'étendu. Moi, j'ai été voir. Tu sais, je pensais pas que tu sais, c'était pour arriver à mon chat. Là, ben je l'ai vu, tu sais, qu'elle était en plein milieu de la rue, puis c'était moi. Puis elle s'était fait frapper. Puis ces petits chatons, ben sont morts tout de suite après, parce que, tu sais, avec le maître, sans le maître, ils pouvaient pas faire grand-chose. Puis en tout cas, là, j'en ai un autre, un chat, mais ça peut pas remplacer Mignonne.